Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo Clash of Clans. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo speedbuilding de mon village HDV10 farming que j'utilise depuis mon entrée en HDV10. Donc voilà, dans cette vidéo, vous allez tout simplement commencer par avoir le speedbuilding en x2. Ensuite, après le speedbuilding, vous aurez tout simplement des replays défensifs pour vous montrer l'efficacité de ce village farming HDV10 génération 2017. On peut carrément le dire. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage les gars et retenez bien le village.
après avoir montré ce speedbuilding, maintenant on passe au replay. Donc regardez, je ne perds jamais avec ce village. Donc vous allez me dire, tu es à basse ligue. Et bien évidemment, ce village, c'est un village farming et on l'utilise dans des zones de farming, les petits potes. Alors, voilà, c'est assez intéressant. Je ne perds jamais avec cette composition. J'ai cette petite compo. Donc là, on m'a attaqué. On a essayé de gratiner. J'ai envie de. Allez, ouais, il a voulu prendre cette petite foreuse ou je ne sais quoi. Regardez, voilà. Regardez tout ce qu'il a déployé pour aller voir cette petite. Cette petite foreuse, les amis. Voilà, il a pu la voir, hein, clairement. Il aurait même mis que la reine, franchement, elle était à disposition. Mais les autres petites foreuses, regardez, elles sont très bien centrées. Et pour les avoir, hein, ils vont bien galérer. Alors, du coup, j'ai un autre petit gameplay. Mais ce gameplay, il est un petit peu perdant, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas un énorme gameplay. Comment dire? En fait. C'est un Giwiva, donc avec des sorciers niveau 7, avec du séisme. Donc il va pouvoir aller chercher la réserve d'élixir noir. Mais les amis, franchement, pour un Giwiva avec des sorciers 7, avec beaucoup de sorts, je pense que c'est un très bon score en fait. Franchement, je pense que c'est un très bon score. Ah, même c'est une vengeance hein, quand même. J'aurais dû. Peut-être que je lui ai pris beaucoup d'élixir. Et d'or, enfin bref, beaucoup de ressources. Regardez, il entre en mode gros bourrin, vite fait, en mode ragé, double soin. Regardez, il a flippé le pauvre. Il a mis double soin et malheureusement, il a pris l'élixir noir. Mais bon, tu t'arrêtes là, tu avances plus. Regarde les tours de l'enfer et lui dit, ils l'ont dit, tu t'arrêtes là, tu avances plus. Mais normalement, c'est pas tout le monde qui farme avec des Valkyries parce que c'est très cher avec 22 sorciers aussi. C'est pas du tout rentable. Des attaques comme ça, c'est hyper rare. Donc, du coup, pour des attaques, comment dire, ce géant ou je ne sais quoi, franchement, ça va être très très compliqué d'atteindre le centre afin de prendre votre réserve d'élixir noir. Et comme vous pouvez le constater, les réserves d'or et d'élixir sont bien écartées. Donc, ça ne risque pas, vous risquez pas de vous prendre beaucoup de ressources à moins qu'il vous perf, voilà, s'il utilise une composition assez chère, guerre des clans, ça c'est autre chose. Voilà les amis. Voilà les gars, cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, montrez vos retours en commentaire, un petit speed building à l'ancienne, hein, au beau temps. Donc voilà, maintenant on ne trouve plus de speed building sur YouTube. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo speed building, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez votre avis en commentaire, un petit pouce bleu qui fait plaisir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos Clash of Clans. A plus!